Shalom, nous allons étudier Daf Ayin Dalet dans Masechet Psachim. Reprenons tout du Daf à la nouvelle Mishnah. Ketsad Tzolin et Tapesar. Comment on faisait griller le korban Pesach? Mevim Shafud Shel Rimon. On apportait comme ça une sorte de grand morceau de bois en bois de grenadier. Tochavol et Torpiv Ad Bet Nekuvato. Et on le fait passer par la bouche et par l'orifice arrière de l'animal, de bout en bout, Vinoten. Et Kerav, Benemirav, les Tochod, il Rabbi Yosef Galili. Et selon Rabbi Yosef Galili, toutes les entrailles et l'estomac, l'intestin, tout ça, on les remettait à l'intérieur de l'animal, après les avoir nettoyés, et ils cuisaient dedans. Ah ben, qui va, mais pas du tout, qui met une bichoule ou housé. Non, puisque tu remets à l'intérieur, c'est comme si finalement ça cuisait dans une marmite, et ça devient comme un bichoule, et donc c'est pas bon. Et la toline, on les suspend au-dessus, chutsalo à l'extérieur de l'animal, pour qu'ils soient grillés directement au feu. Celui de la Michelin, toline et tabassa, l'oral chafoud. On ne peut pas utiliser une barre de fer ou à ce cas-là ici, une sorte de filet comme ça en fer. Un jour, Rabban Gamliel a dit à son serviteur Tavit, c'est où c'est là, nous est un Pessah à la scala, va nous cuire le Pessah sur la scala. Donc selon Rabbi Tzadok, ce massé nous montre que c'était moutard de cuire sur la scala. La Gemara pose la question par rapport au métal, quel est le problème, unité chez Matechet, et pourquoi pas un bâton en fer, parce qu'il communique la chaleur. Quand il est chaud d'un côté, quand une partie de la chose, du morceau de fer est chaud d'un côté, eh bien l'autre côté se réchauffe par justement transmission de chaleur. Et donc du coup, on a un problème que et à ce moment-là, on a peur que le korban cuise de l'intérieur par l'intermédiaire du métal. Or la Torah a demandé qu'il soit grillé au feu. Velo, tsalim chamad avar acher, il ne faut pas qu'il soit grillé par le contact d'autre chose. L'agma dit, alors pourquoi on n'apporte pas autre chose que du grenadier? Il déchèle d'équel, pourquoi pas le palmier? Il dit, des hitle shive, mafik maya, avec une boucha. Quasiment à chaque fois qu'on va parler d'autres bois, à chaque fois il va y avoir des sources d'humidité qui risquent de faire en sorte que le corban soit au contact de l'eau qui sort de ses branches, et à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui va s'apparenter à une cuisson à l'eau, à un bichou, non pas à tzli'esh. Et donc là, ici, il y a dans les branches, justement, du palmier, du liquide qui sort, ça fait mémoucha. Niti, shel, te'ena, pourquoi pas la figue? Yaide, de mechalchel, ma pikmaya, là aussi, il y a une sorte de sève qui sort et qui ressemble à de l'eau. Vavadek, mémouchal, ça devient mémouchal. Niti, shel, alon, shel, charou, shel, chikma. Alon et Shigma sont des arbres qui ne donnent pas de fruits. Donc Shigma, c'est une sorte de c'est un sycomore. Alon, c'est le chêne. Et Charouf, c'est le caroubier. Pourquoi pas ces arbres-là? Aïdé, des itbé, qui traient en général, il y a des nœuds comme ça entre le bois et les branches. Et dans ces nœuds-là, il y a aussi du liquide. Ma pique maya, et ça fait un bichou. Chéri mon ami, itbé qui traient. Alors il dit, mais pourquoi ce ne serait pas pareil dans le bois de grenade? La Gemara nous propose deux réponses. Chéri qui traient. Soit ces endroits-là sont lisses et donc il n'y a pas de problème. Il va être sinon, benagva, benavga barchata. On parle sinon de morceaux de bois qui sont récents, qui ont moins d'un an. Des béquiteries dans lesquelles il n'y a pas justement ce qu'on appelle là, c'est ksharim, là, ces nœuds-là dans lesquels il pourrait y avoir du liquide. Lagma di baika, bepsake. L'endroit où on a coupé la branche aux extrémités. Il y a forcément un endroit qui est mechoutar, qui est coupé, et cet endroit-là, il y a de la sève qui peut sortir, et donc ça fait bichoul. Il faut qu'effectivement les deux extrémités sortent à l'extérieur de l'animal, d'un côté de la bouche et de l'autre côté par l'arrière, de telle sorte à ce que ça ne soit pas en contact avec la viande, ça ne fasse pas bichoul. La Gemara nous dit maintenant que Matni le Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda, de l'autre Rabbi Yehuda, d'Etania, c'est marqué dans une Braïta Rabbi Yehuda Omer, que Shem Shafut Shel Haetz Enon Israf, Kar Shafut Shel Matechet Enon Martiach. De la même manière que le morceau de bois ne brûle pas, le morceau de fer lui-même ne devient pas brûlant, c'est pas lui qui cuit. Amroulo, Ramil ne dit pas du tout. Zecham mixato ham kulo, veze, ham mixato eino ham kulo. Tu ne peux pas comparer le bois et le fer. Tu vois bien que le fer, quand une partie se réchauffe, l'autre extrémité également, ce qui n'est pas le cas du bois qui justement n'est pas conducteur ou très peu conducteur de la chaleur. On avait vu dans la Mishnah Tanek Kera'av et Bena, Venema'av et Tochom, Machloket, Rabbi Yosef Galili, Rabbi Akiva. Est-ce que les entrailles, on les remet à l'intérieur ou est-ce qu'on les met au-dessus? Tanya, l'Agman rapporte une braïta, Rabbi Shmuel, Koreu, Tor-Tor. Rabbi Shmuel appelait le Korban Pessah Tor-Tor, à l'intérieur, pour rappeler que finalement, on cuisait les choses à l'intérieur.
Habite en forme de Corée où? Gedi Mekulas. Lui, il l'appelle plutôt Gedi Mekulas. Ça ressemble justement d'une certaine manière à un Gedi qui a une sorte de couronne de chapeau au-dessus. Et ce chapeau qui est au-dessus, ce sont justement les Bnei-Barim qu'on a mis au-dessus pour faire griller. Donc on voit qu'eux-mêmes discutent la même discussion que Rabbi Yossi à Galilée et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on met les entrailles à l'intérieur ou pas? Tanorabanan Ezo Gedi. C'est quoi le Gedi Mekulas Asur le Echol Belele Pesach? On a vu au début de la Massechet qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit la veille de Pessah de manger un corban qui, enfin, une viande qui ressemblerait au corban de Pessah. Quelle est la définition de ce qui est interdit? Ce qui ressemble vraiment. Il faut qu'il soit cuit en entier, donc en une pièce. Si une partie a été coupée. Une partie a été bouillie à l'eau, cuite à l'eau. Ça s'appelle plus Gedi Mekulas. Et donc c'est moutard d'en manger la veille de Pessah. La Gemara a dit. Elle ne comprend pas. Au départ, on te parle d'un cas où il y a un membre qui a été coupé. Et donc, a priori, on pense qu'il est grillé. Après, on parle d'un cas où ce même membre-là est cuit à l'eau. Alors, Gemara se pose la question, si déjà, quand il est séparé, il est interdit et il n'est plus mekoulas, quel que soit le type de cuisson. Si en plus tu fais une cuisson qui est interdite, comme mevouchal, c'est sûr. Ashtay shlomar, si déjà, nertach mimeno eved, afalgav, de kamadvele bahade, amartlo. Si déjà, quand tu sépares un membre et que tu le grilles, c'est assourd. Enfin, c'est plus Gedi Mekulas, donc on pourrait le manger avant Pessah. Nishlak Mibaria, quand c'est cuit à l'eau, quand c'est ken. La Gemara dit non, en fait, c'est pas le même cas. C'est soit le membre a été séparé et il est grillé, donc la cuisson est bonne, mais il est séparé. Soit quand on parle qu'il y a un membre qui a été cuit à l'eau, il a été cuit à l'eau sans qu'on le sépare du reste du corps. Donc il n'est pas déconnecté. Le cas où c'est cuit à l'eau, c'est Mechouba. Et donc c'est pour ça que c'est un chidouche. Amar Rabba, Haïmouliata, Sharia. Maintenant la Gemara va rentrer dans un nouveau sujet. Qu'est-ce que l'on fait d'un animal qui est fourré avec de la viande d'un autre animal? Le problème va être ici. Est-ce que lorsque cette viande eh bien, va cuire, le sang va sortir et va être absorbé dans une autre partie du plat et du coup va le rendre interdit? Donc Mouliata, c'est cet animal qui est lui-même fourré avec de la viande d'un autre animal. Lui il dit que c'est autorisé chez Sharia, il n'y a pas de issur. On va chercher la raison. Pourtant, a priori, le sang qui sort va être absorbé par l'autre partie de la nourriture. Amar les réponses de Rabba, Kebola, comme ça absorbe, ça ressort. Donc effectivement, la viande qui était à l'intérieur va finalement faire sortir du sang dans l'animal qui est lui-même fourré, mais la même manière que ça rentre, ça sort. Neima, on va essayer de trouver des preuves, mais on n'y arrivera pas. Peut-être qu'on peut prouver cela. Notenek la Mishnah, Notenek Rav, et Av, et Tocho, on met tout à l'intérieur de l'animal. Sur la Bessegali, si on met à l'intérieur, c'est que tu vois bien que même ce qui va finalement sortir et rentrer dans l'animal, ça va ressortir de l'autre côté. La Gemara dit non, Amrech, c'est spécial là-bas. Parce que l'animal a été égorgé et donc le sang coule plus facilement de l'endroit où il y a la blessure liée à la shrita. Donc, midav daivé, ça coule. Neymar Misale, on essaie de confirmer. Alev koro motzi damo, le cœur d'un animal, on le déchire, on sort le sang. Lokrao koro lacha bishulo, si on ne l'a pas fait, on pourra déchirer après la cuisson. Au moutard, et c'est moutard. Maïtahama, quelle est la raison? Là, Mishounamrina qui est encore pour n'est-ce pas que c'est parce qu'on pense que même s'il s'est rentré le sang dans un endroit, il en est ressorti. La Gemara refuse ça également. Elle dit non. Chané lève des chia, c'est spécial là-bas. Le lève, le cœur, c'est un endroit qui est justement très lisse et qui n'absorbe pas coquelin. Donc c'est pas que ça absorbe et que ça ressort, c'est que bien là, il n'y a pas d'absorption. On nous rapporte, Ravine Saba, Tafle à Ibargozala, les raves. Il a utilisé justement la viande ici de volaille, il l'a mise dans une sorte de pâte. Il a fourré une pâte avec justement cette viande, ce que Rashi appelle souvent pastida, ici dans Maseret Shabbat. Et à Marley, il lui a dit, Imale, tiflé, avali, vechoul. Il dit, si il y a le goût justement de la viande dans la pâte, donne-le-moi et je vais le manger. Et donc, on voit ici qu'a priori, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça s'absorbe? La Gemara dit, hi, besmida demfarir. Il dit là-bas, c'est parce que c'est spécial, la pâte qui est autour, c'est une pâte qui finalement s'effrite et elle ne reste pas et c'est pour ça qu'elle n'absorbe pas.
L'agmara rapporte encore une histoire. Rava et Klal Be Rajgalouta. Rava un jour est parti voir le dirigeant Rajgalouta. Utfalole Baravaza. Et on lui a préparé effectivement une noix qui était, donc on a fourré dans du pain. Amar, il a dit, ilo dechazite dizi kezuga chivara. Si je n'ai pas vu que le liquide qui sort de la viande, il est clair comme une pièce en argent toute nouvelle, l'ochlaminé, je n'aurais pas mangé. Oui, c'est le cas d'Atar, Kebolo ici, on pense comme Rabat, que Kebolo Carporto, ce qui rentre, ça ressort de la même manière. Maïria, Kizig, pourquoi regarder la couleur justement de ce qui sort de la viande? Parce que même ce qui sort de la viande et que ça s'absorbe dans le pain, ça va ressortir quoi qu'il arrive. Le Zignami, Ata, Bechivarta, Desharir. Disons là-bas, on parle d'une farine blanche. Et cette farine blanche a tendance justement à ne pas ressortir les choses. Donc, Kebol Rokarpolto, c'est pour certaines farines, pas pour la farine blanche. Mais Khetalalacha, c'est quoi? C'est des smida. Si justement, eh bien, on a fait ça avec une farine fine, eh bien, Ben Ismak, Ben Loismi, quelle que soit la couleur finalement du liquide qui sort, Sharia, c'est autorisé. Des Chivarta, si par contre, effectivement, c'est de la farine blanche, Izik, Kezuga, Chivara, si c'est très très clair, Sharia, c'est autorisé, Ve'ilo, Asso, sinon c'est Asso. Et des Arkmachim, les autres farines en général, Ismik, Asso, Loismik, Sharia. Si c'est rouge, c'est un problème, sinon, non. Maintenant, Hay Mouliata. Donc le Mouliata, c'est ce fameux pain, encore une fois, qui est fourré avec de la viande. Man de Asar, Filou, Poumal et Tachat. Man de Sharia, Filou, Poumal et. Celui qui dit que c'est interdit, même si tu mets la partie ouverte, la bouche entre guillemets, vers le bas pour que ça coule, ce sera interdit. Et celui qui autorise, autorise même si cette partie-là est vers le dessus. Mais que c'est complètement autorisé au mouliata de faire cuire, même si l'ouverture est vers le haut. Umtsa maintenant, on nous parle d'un morceau de viande, chai. Et ce morceau de viande crue, en général, il a, comme on verra dans le cas suivant, il a du sang. Et particulièrement à un endroit parce que la bête a reçu un coup pendant qu'elle était vivante, donc il faut enlever ce sang-là. Béhé, là on parle ici des testicules d'un animal. Ou Mizreke, et certains vaisseaux, certains endroits qu'il y a au niveau de l'épaule. Pligeba, c'est une machloket entre Ravacha et Ravina. Et l'agma va nous donner un klal. Dechol la Torah kula dans toute la halachot de la Torah. Ravacha la chumra, et Ravina la kula. Quand il y a une discussion entre les deux. C'est Ravacha qui est strict et Ravina qui ne l'est pas. Et Bechita qui Ravina la Kula, la Halakha comme Ravina qui est Mekel. Exception, les Barman et Tlat, sauf les trois qu'on a cités à l'instant. La Ravacha la Kula, vers Ravina la Chumra. Cette fois, c'est Ravacha qui est Mekel, à l'inverse de Ravina. Et la Halakha est toujours comme celui qui est Mekel ici, c'est-à-dire Bechita qui Ravacha la Kula. Et la Gemara rapporte justement tous ces cas-là. Hayum Tsa des Smik, on parle là-bas d'un morceau de viande crue qui est très rougi à un endroit parce qu'il y a eu justement un coup. Khatré, on la coupe, ou malché, et on la sale, à filou l'egdera charé. Une fois qu'on la sale comme il faut, on peut la mettre dans une marmite. Chav debesha fouda charé, si on la fait cuire sur un poteau de bois, effectivement, c'est charé s'autoriser, parce que justement, midav, daïv, ça coule. Achté, agumré, si on la posait sur des braises directement, c'est là qu'on est marqué le pli geba, ravacha ve ravina, chalassa, ve chacharé, un qui autorise, un qui interdit. Mandasamatsmit, tsamit. Celui qui dit que c'est interdit, il dit que finalement, eh bien, les braises font garder d'une certaine manière une partie du liquide du sang dans la viande. Mandesharé, l'autre pense que Mishafshaïf, contre la chaleur, a tendance à puiser, à aspirer presque le sang et à le faire partir de la viande. Vélicheta, et la lacha, avec Mishafshaïf, que ça puise, donc c'est autorisé, effectivement, comme l'avis qui est Mekel. Pareil pour les testicules, on les coupe et on les sale. On peut les mettre dans une marmite. Quand on l'a laissé cuire sur un chafoud, charia, c'est autorisé, parce que midab daïf. Si on l'a mis directement sur les braises, on retrouve la marloquette. Il y a aussi la même question, est-ce que poser sur les braises, la chaleur retient le sang dans la viande? Ou au contraire, elle la tire vers le bas. Vechen, Mizreke. Donc, c'est Mizreke. Chatré ou Malché, là aussi, il faut les couper, les saler. La flouille des rachats, on peut les mettre dans une marmite. Talia Bechfouda, on l'a fait griller. Beit Ashrita, les tata ici. Donc, c'est au niveau des épaules, Mizreke. Donc, si l'endroit où on a fait la Ashrita au niveau de la gorge,
c'est vers le bas, et tata aïcha et c'est moutard, parce que midabdaïch ça coule. Si on l'a mis vers le haut, arte agumre, donc c'est différent, mais par contre, si on l'a posé sur les braises, pligé ravacha vers ravina, on a la marque ravicha, ravina et ravacha. Chad asa vachat charé, un kétoz, un kétadim, manasa matzmit samit, ou manesharim sha'av sha'iv. Encore une fois, il y en a un qui dit que ça coule, l'autre qui dit que non. Et il a la chalik mish avshaïv. Maintenant, hayum tsa de ismik. On parle d'une viande, encore une fois, qui a rougi. Chalier assour. A priori, le liquide qui en sort, il est assour. Lo asmik. Si la viande n'est pas devenue, justement, rouge, eh bien, chalier charé. Ce qui sort est mouta. Ravina marafilou lo asmik. Même si ce n'est pas devenu rouge, nami chalier assir. Ce qui en sort est interdit. C'est impossible qu'il n'y ait pas un tout petit peu de sang là-dedans. On dit Amale, Mar Baramema, le fils de Amema de Ravashi, Abba mon père, mais Gemarale, Gemoué, lui il avalait complètement ce qui coulait comme ça d'une viande crue. Il y a une autre version que c'est Ravashi qui fait Megmara, les Gemoué, que c'est Ravashi qui buvait cela. Amale, Bar Baramema de Ravashi. Encore une fois, il lui dit, Abba, Aïe chala de chalit be chad azimna, tout l'otane chalit be. Donc, quand on faisait griller la viande, pour enlever encore une partie du sang, on mettait dans du vinaigre. Si le vinaigre a déjà été utilisé une première fois, il perd sa force. Et donc, on ne met pas dedans une viande qui a besoin justement de faire sortir son sang, parce que de peur que, comme il fait plus son effet, au contraire, il va le maintenir à l'intérieur. L'agma s'étonne. Elle dit, Maïch na mechala. Et Tameha, de Khatinanbe, quelle différence entre ce vinaigre-là qui a perdu de sa force et un vinaigre qui à la base n'est pas fort, qui dès le départ n'est pas fort, où là on a le droit de mettre dedans? L'agma répond, Atam, une différence. Pourquoi? Itelekiuta de Perabene. Dans un cas, il reste d'une certaine manière le fruit et ça n'a pas été affaibli. Mais par contre, dans un chomes qui a été utilisé une première fois, Acha, il ne reste pas la force du fruit, parce qu'à la base c'était fait à partir de vin, il ne reste pas, et c'est pour ça que ça pose un problème, donc c'est la distinction que la Gemara donne.